Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Son du Mur, présenté par La Garde de Nuit, le site francophone de référence sur tout ce qui concerne la saga du Trône de Fer et George Martin. Après un an sans podcast, nous revenons sans Geoffrey, pour ceux qui nous suivaient auparavant, et nous allons faire évoluer un peu notre formule au fil des prochains épisodes, donc on espère que ça vous plaira. Je suis John, et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris, Coucou. Nymphadora, Salut. et Babar des Bois. Coucou. Qui vont nous parler d'un nouveau livre consacré à la série HBO Game of Thrones, Le feu ne tue pas un dragon, de James Sieber, traduit par Isabelle Pernot pour Pygmalion. Nous avons déjà publié un article On teste pour vous de Chris sur le blog, donc si vous ne savez pas trop de quoi on parle, je vous suggère d'aller vite le lire pour poser les bases de ce qu'est ce livre. Et nous allons, nous ici, entrer directement dans le vif du sujet, essayer de remettre en perspective le contenu du livre, dont le propos, je cite, reste avant tout de relater les efforts colossaux qui ont permis à cette série non moins extraordinaire de voir le jour. Fin de citation, à l'aide d'une série d'interviews des acteurs, des réalisateurs, des showrunners, etc. Donc on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui, les lieux de tournage, les batailles, l'attirail anti-smuggler d'HBO, la place de la femme, plein d'autres choses. Mais d'abord, j'avais une question assez simple. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Nymphadora, par exemple. Eh ben moi, j'ai été étonnamment surprise par le bouquin. Je m'attendais à un truc lourd et indigeste. Et finalement, je l'ai lu d'un coup. Vraiment, j'ai trouvé ça super facile à lire. Et dans l'ensemble, très agréable. Parce que t'as pas de redites, t'as pas de. Enfin, t'as une structure très claire et un propos qui est très fluide et plutôt didactique. Après, sur le contenu, ça m'a fait pas mal grincer des dents à certains moments. Mais en tout cas, dans l'ensemble, la lecture, je l'ai trouvée super agréable. Ok, Babar, t'es d'accord? Alors, assez d'accord sur le fait que oui, c'est un livre qui est bien construit. Pour le coup, hein, le plan qui est adopté, qui est un plan chronologique qui suit les différentes saisons, se double un peu de certains aspects thématiques et je l'ai trouvé assez dynamique. J'ai trouvé la première partie assez intéressante, tout ce qui tourne autour des enjeux d'adaptation, de la relation à Martin et de son investissement ou de son non-investissement, d'HBO, les problèmes de budget à l'origine. Après, bon, les dernières saisons, la dernière partie du livre qui parle des dernières saisons et qui laisse la place à la justification en fait des différents problèmes scénaristiques, ça m'a plutôt fait un peu rire. Je suis pas sûre que ce soit ce qui était attendu de la part du journaliste, mais un peu rire parce que je trouve que ça les enfonce plus qu'autre chose, que ça ne les défend. Et alors un petit côté aussi fatigué du fait que tout le monde est génial, tout le monde est doué, qui est le propos du livre, hein, donc un peu difficile de lui reprocher ça. Mais c'est vrai qu'à la fin du bouquin, ça m'a un petit peu saoulé. Même si on sent l'investissement émotionnel, hein, des différents acteurs, c'est quelque chose que là pour le coup j'ai trouvé un petit peu répétitif. Okay. Et Chris, t'as quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu disais dans ton article? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je tiens à préciser que cet article a été relu par les deux personnes qui sont avec moi, hein, et approuvé en partie. Je ne suis pas le seul responsable de cet avis. Mais non, je trouve que le bouquin se lit plutôt bien, ça je suis d'accord. Il fait grincer des dents par moments. On va pouvoir expliquer pourquoi. Babar a déjà un peu rentré dans le sujet en parlant de tout ce qui est. Justification de la part de l'équipe. Il est vraiment en deux phases. Pareil, la première partie, je l'ai trouvé assez chouette sur comment on adapte une œuvre à la télévision dans le cadre de HBO, qui est quand même assez particulier. Et j'ai trouvé la deuxième un peu moins intéressante. Mais après, c'est pas que c'est moins intéressant, c'est que pour qui a suivi tout l'attirail promotionnel qui a accompagné les saisons 6 à 8, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de choses à aller pêcher en termes de nouveautés que ce qu'on a pu trouver dans les chapitres qui concernent les premières saisons, où on sent qu'il y avait peut-être un peu moins de suivi à cette époque-là de la part des journalistes, tout simplement, et où on va apprendre deux, trois petits trucs. Alors, c'est des choses qui, depuis, ont été dévoilées aussi par le biais de certains articles. On a un article sur le pilote, par exemple. Mais du coup, c'est. Voilà, il y avait des choses peut-être un peu plus.
un peu plus intéressante à aller chercher de ce côté-là. Ok, enfin, ouais. J'ai un autre truc à ajouter, c'est quand même que faut pas oublier qu'on est un public qui est particulier. Nous, on est un public qui est très au fait de la production, de... Il y a beaucoup d'anecdotes de tournage qu'on connaissait déjà. Mais du coup, faut pas oublier que pour un public plus général, le livre, il pourra aussi éclairer pas mal de choses. Parce que je pense que on oublie parfois que le lecteur lambda n'est peut-être pas aussi au fait des choses. Voilà, faut peut-être replacer. C'est un bouquin que quelqu'un qui a vu les 8 saisons et qui veut s'intéresser un petit peu à comment ça a été fait peut très largement prendre le livre entre les mains et tout comprendre quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je dirais juste dans les points de détail, je me suis demandé à la fin du livre si c'était le bon média, un bouquin. Je trouve que quand on parle d'une série télévisée avec beaucoup d'images et beaucoup de choses, ça aurait sans doute été peut-être plus intéressant de passer par le format documentaire, reportage, que celui d'un livre. Après, le livre est très bien fait, mais avec une image, tu peux reposer une situation très facilement, ce que ne permet pas un livre où il va te falloir parfois plusieurs pages pour remettre une situation. Et donc, tu rentres un peu moins dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a dans le livre, il y a quelques images de la série, mais elles sont pas très très utiles, hein. Ça reprend une partie des images promotionnelles qu'on connaît déjà et qui sont pas particulièrement explicatives. Il y a quelques photos du tournage qui peuvent être intéressantes, mais voilà, qui apportent pas énormément de choses. Effectivement, en fait, un livre déjà illustré page par page, et non, parce qu'en fait, là, c'est il y a quelques pages qui s'insèrent au milieu du bouquin, donc des pages d'illustration couleur. Il y en a Il y en trois. a voilà trois Il y a inserts, trois épisodes. mais du coup, c'est pas vraiment un livre illustré. Déjà, quand on parle de quelque chose et si on a l'image en face sur la bonne page, c'est déjà mieux. Et ça, je pense que le livre en souffre beaucoup. Ok, ben merci. Avant de rentrer dans les gros sujets, on va peut-être parler un peu des anecdotes de production qui peuvent être distillées un peu dans le livre, Chris. Bah sur la production, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'avait jamais eu un retour aussi détaillé de la mise en chantier de Game of Thrones. On a toujours eu des trucs à picorer à droite à gauche, que ce soit sur le blog de Martin quand il a annoncé la cession des droits, ou le script du pilote à un moment qui a été dévoilé, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans toute cette partie de mise en branle du projet, on va retrouver pas mal de petits trucs. On va notamment apprendre comment le pilote était quand même à jeter à 90%. Et quelque part, on peut commencer à avoir un peu l'expertise du rôle des producteurs des producteurs du HBO, qui en voyant un pilote qui était quand même complètement raté, si tu veux parler des anecdotes, les mecs ils ont été tournés à Malte, ils ont tourné dans des décors réels et on aurait dit que c'était tourné sur un parking. Donc bon, on était à peu près sur ce niveau-là. De trucs à jeter ou le marcheur blanc qui était complètement en image de synthèse, qui était prévu pour être en image de synthèse, mais ça coûtait déjà un fric monstre pour un pilote qui, rappelons-le, un pilote c'est fait pour valider une production, donc c'est-à-dire que c'est fait pour dire ah, cette série on va peut-être la faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez colossal. Enfin, on ne se dit pas généralement qu'on va mettre des images de synthèse dans un pilote, ça coûte un fric monstre. Du coup, bah, il y a quand même une petite expertise de la part des producteurs d'avoir vu le pilote, de se dire putain, il faut en retourner 90%, mais les 10% qu'il y a, on tient peut-être un truc, tu vois. Et là-dedans, il y avait quelque chose quand même qui est assez chouette sur la manière dont on fait les choses à Hollywood, même si bon, HBO, c'est pas vraiment côté Hollywood, c'est plus côté New York, si je dis pas de bêtises. Du coup, on a voilà ce petit truc-là qui est vraiment très agréable. Après, on a quand même le petit côté anecdote de tournage, ah, machin, sur tel moment du plateau, il a fait tel truc, qui sont toujours intéressants. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé mes camarades Nympha, par exemple. Alors moi, il y a un truc sur les anecdotes de tournage qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'au final, ce tournage, c'était un tournage hyper alcoolisé. Les mecs, toutes les 5 pages au moins, ils disent ah oh là là, on a fait la chouille, ah oh là là, c'était ce qu'il y avait de bien sur le tournage, on faisait la fête, ah oh, puis alors il y a tel acteur, il était vachement aimé par les gens de la production parce que il faisait venir une caisse de whisky pour tous les cadreurs. Sachez-le, un tournage de Game of Thrones, c'était beaucoup les pieds dans la boue la journée, mais alors beaucoup de chouilles dans la soirée, et manifestement
à Port-Réal, donc tous les tournages en Croatie, c'était la très 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 grosse fête. Ouais, tu sens qu'il y a une différence entre ce qui est tourné en Irlande et ce qui est tourné en, et ce qui est tourné en Croatie. Genre, en Irlande, les mecs, ils vont au pub le soir, mais c'est pas la grosse chouille comme en Croatie, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais il y a pas mal de petites anecdotes, et t'apprends notamment que Kit Harington s'est pété la cheville, si je dis pas de bêtises, à un moment, en revenant un peu trop bourré en plein milieu du tournage. Donc il y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là, quand tu les remets en perspective. C'est-à-dire, quand tu signes un acteur sur plusieurs saisons et qu'il veut avoir un rôle physique, comment tu fais attention à ton acteur pour éviter qu'il ne puisse plus tourner après, même si tu mets beaucoup d'alcool sur le tournage? Et d'ailleurs, à cet égard-là, y a aussi une anecdote qui est quand même, pour le coup, beaucoup moins amusante, mais sur laquelle on revient à plusieurs reprises, c'est le fait que Emilia Clarke a eu un accident vasculaire cérébral en début de tournage, enfin à la fin de la saison 1. Donc du coup, comment est-ce que tu manages ton actrice principale dans un tournage dans le désert? Où il fait chaud, où tu lui demandes énormément physiquement aussi, et qu'est-ce que elle peut se permettre de faire, et là tu te rends compte qu'effectivement c'est quand même aussi une aventure humaine derrière. Et du coup, vu qu'on parle des différents lieux de tournage, ça parle de ça aussi, j'imagine, dans le livre. Babar? Ouais, c'est un élément qui est pas mal mis en avant dans le livre où il montre à quel point ils sont allés voir dans différents pays pour tourner en décor réel. Ça, c'est clairement un choix hein, de la production qui a été de tourner en décor réel plutôt que de tourner dans des décors reconstruits et en studio. Ce que sera la saison 8 est un peu plus tournée en studio que les autres saisons, mais il y a vraiment une recherche de voir les différents paysages, donc l'Irlande, hein, l'Irlande du Nord, Malte pour la première saison, la Croatie et l'Espagne ensuite. Et alors l'élément dont on parlait justement sur Malte, alors Malte a servi à faire les décors des sauces. Notamment pour la saison 1 et un petit peu Port-Réal, je crois. Et en fait, ils ont. Alors, ça, c'est pas dit dans le livre, mais il faut savoir que sur les lieux de tournage, l'équipe de production a un petit peu saccagé, un petit peu beaucoup même, apparemment, saccagé les lieux, notamment la fameuse arche où il y a le mariage entre Khal Drogo et Daenerys. Qui l'ont été dans un état pas possible et ils ont été virés du pays, en fait, simplement. Ce qui fait qu'ils sont ensuite allés rechercher d'autres lieux et d'autres pays et ce qui explique qu'ils ont abouti en Croatie à Dubrovnik pour une bonne partie des tournages de Port-Réal. Et Chris, ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, bah sur le côté qu'est-ce qu'on va chercher comme pays, c'est quand même des pays avec aussi des réductions d'impôts et des taxes intéressantes pour tout ce qui est tournage de films. Donc c'est pas un hasard si on va à Malte, c'est pas un hasard si on va en Irlande du Nord. Faut savoir que le pilote au départ était quand même tourné côté, je dis pas de bêtises, Écosse, Angleterre. Et finalement c'est en Irlande du Nord que ça va les intéresser le plus. Mais c'est pas complètement anodin. Donc ça, ils en parlent, ils abordent un peu le sujet. Et pour rebondir sur ce que disait Babar, il y a ce choix de tournage en décor réel et en lumière naturelle. Ça va être un vrai problème pour la suite, notamment pour certains choix qu'ils vont devoir faire. Parce que quand tu vas aller en studio, tu vas être obligé de reproduire cette lumière naturelle, ce qui est éminemment plus compliqué que d'essayer de travailler une lumière pour créer des ambiances, même si elles ne sont pas hyper réalistes en fait. Il y a des réalisateurs notamment qui vont commencer à galérer un peu avec ça. Et on en a un petit aperçu dans le bouquin sur certaines histoires, parce que toute la série est éclairée, alors on appelle ça en éclairage source, c'est-à-dire que toutes les sources de lumière sont dans la scène. On n'est pas censé, tu vois, t'es pas dans un Pirate des Caraïbes où si c'est éclairé en vert et en violet à un moment, c'est normal, quoi, tu vois. Il faut que ça vienne des sources de lumière qui sont dans la pièce. Donc voilà, donc ça, juste pour ajouter ça, il y a deux, trois petits trucs comme ça qu'on va retrouver. Sur les lieux de tournage, il y a aussi le fait que comme c'est en décor naturel, ils se sont un peu heurtés à la météo. Et que ça a fini par donner sa patte à Game of Thrones un peu involontairement. Alors il y a un peu d'amateurisme là-dedans, beaucoup, puisque les gars sont quand même partis en tournage en se disant oui, c'est bon, on va tourner en Irlande, c'est pas cher, et puis c'est bien. Et puis en fait, bah non. En fait, il Arrivé pleut. sur place, il pleut.
C'est intéressant de voir que c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel ils ont dû faire face dès le pilote, la saison 1, mais jusqu'à la fin en fait. C'est quelque chose qui revient dans le livre, c'est oh là là, là il pleuvait trop, oh là il pleuvait pas assez, donc il a fallu attendre, il a fallu recréer de la pluie, enfin mettre des tuyaux pour faire la pluie artificielle. Donc voilà, c'est quelque chose qui a vraiment été leur ennemi numéro 1 presque, hein, la météo. Après, j'imagine qu'une fois qu'ils avaient fait ce choix, ils étaient un peu coincés de toute façon. Enfin, il faut faire avec, quoi. Ils peuvent pas, au milieu de la série, se décider tout reproduire en décor, hein. Bah c'est là que ça devient intéressant parce que, en fait, pendant la saison 1, ils avaient mal anticipé leurs problèmes de météo. Donc, c'est là qu'il y a un petit côté aussi. Ah, c'est des trucs qui sont quand même décidés dans des bureaux à partir d'éléments financiers et les gars ils vont tourner. Et sur place, il y a quand même la réalité du terrain. Et ils se sont retrouvés notamment à supprimer des pages et des pages et des pages de script qui étaient prévues parce que la météo était épouvantable. Et ils se sont retrouvés avec des épisodes de 30 minutes au départ sur la saison 1. Et ces épisodes de 30 minutes, ils les ont remplis avec des scènes de dialogue de couloir très verbeuses. Qui vont donner du coup la patte à la série, c'est les dialogues Varys Littlefinger, quoi. Voilà. Ou Robert Cersei qui, pour le coup, elle était vraiment bien faite. Mais ça va aussi être du coup les scènes de sexposition, mais on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là un peu plus loin. Et du coup, vu qu'on parle de réalisme, de décor, de prise réelle, etc., quid des batailles? Sur les batailles, on se rend bien compte que de toute façon, les batailles, elles ne font qu'augmenter au fur et à mesure des saisons. Elles deviennent de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'on leur consacre des épisodes entiers d'une heure et demie. Et il y a une approche assez intéressante sur comment est-ce qu'on peut filmer une bataille quand on n'a pas trop de moyens dans le livre. Tu as ça, notamment autour de la bataille de la Nera, parce que bon. Elle est très impressionnante à l'écran. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à la télévision à cette époque-là, quand elle est sortie. Mais c'est une bataille qui n'a pas le budget d'une bataille de cinéma. Et alors pour ça, ils vont faire appel à un réalisateur qui s'appelle Neil Marshall, du coup, qui va réaliser cette bataille-là et celle du mur, qu'ils auraient souhaité reprendre par la suite pour les épisodes d'Hurlieu et même pour les batailles suivantes, avant de tomber sur un autre réalisateur qui finalement va leur convenir un peu plus, qui s'appelle Miguel Sapochnik. Et Neil Marshall, lui, il va arriver, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire comme s'il y avait de la thune, quand il n'y en a pas du tout. Il suffit de voir son film Centurion pour en être convaincu. Le gars, il a trois reconstituteurs, deux boules de feu, et il te fait croire qu'il y a une légion romaine qui est attaquée dans la forêt, quoi. Donc c'est pas un hasard, ils vont aller le chercher lui spécialement. En plus, il est britannique, donc il habite pas loin, pour faire cette bataille de la Nera. Et ils vont faire des choix qui vont être intéressants. Sur la Nera, c'est passer la bataille de nuit, même si ça perd un peu en réalisme, on va dire, parce que attaquer de nuit, c'est forcément plus compliqué qu'attaquer de jour, techniquement, pour une armée. Et deux, trois petites choses comme ça, mais je vais passer la parole à Babar pour qu'elle en parle un petit peu aussi. Et ouais, mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans les choix faits par ce réalisateur, ça a été notamment de filmer à hauteur d'épaule, donc de prendre non pas des grandes vues aériennes comme on a souvent, comme par exemple on a dans le Seigneur des Anneaux, mais vraiment de mettre la caméra au niveau de l'humain et d'essayer de montrer comment est-ce que le soldat lui-même, bon alors le soldat ou le roi ou l'acteur principal, mais comment l'humain en fait vit la bataille au niveau enfin des attaques, au niveau du vécu, en fait du vécu émotionnel. C'est vraiment là-dessus que l'accent se porte, et c'est quelque chose qui est repris par la suite, c'est-à-dire que à l'origine ça part de cette nécessité aussi de faire avec le budget qu'ils ont. Mais ça devient un véritable choix de réalisation par exemple par Miguel Sapochnik qui justement met en avant ce choix-là de filmer à hauteur d'homme. Et son choix, lui, a été, et c'est notamment visible dans la bataille des bâtards, de montrer en fait à quel point c'est fatigant, c'est épuisant, et on a tout un travail sur l'oppression en fait qui est ressentie par l'acteur et donc par le spectateur. Tout est fait pour que l'acteur, mais aussi le spectateur, arrête de respirer en fait d'un coup, et pour l'investir beaucoup plus émotionnellement sur le terrain. C'est notamment le passage où John en fait disparaît sous cette marée humaine. Il est totalement oppressé avant d'être sorti au dernier moment.
Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un choix assez intéressant du fait de son histoire et de l'implication que cela peut donner avec le spectateur. Et puis il y a une approche du coup très, mais ils le disent dans le livre, très Première et Seconde Guerre mondiale, du coup qui enfin il y a toute l'imagerie de ces batailles de cinéma de Première et de Seconde Guerre mondiale qui viennent alimenter ce côté-là du on va s'intéresser à on va dire au troufion de base et on va le suivre dans ses déboires en plein milieu de la bataille, donc on va retrouver ça en l'occurrence dans Et Game of Thrones. vous parliez là avec la bataille de la Nera en particulier de la nécessité d'équilibrer un peu entre le budget et le réalisme, donc en faisant une attaque de nuit qui s'essaye de justifier un peu là en disant oui, on les prend par surprise, etc. Mais par exemple, moi ça me fait penser à si on parle de réalisme de bataille, etc., à par exemple dans les dernières saisons, l'attaque de Port-Réal avec toute l'armée en dehors des murailles, etc. Est-ce qu'il reparle de ça pour le justifier un peu, Babar? Alors là, on a clairement eu un choix d'abandonner la logique la plus basique, en fait, pour faire du grand spectacle. C'est un peu assumé, ils le disent un peu hein, quand même en disant que on met l'accent sur le grand spectacle, mais on a clairement au niveau tactique, enfin, il n'y a même pas besoin d'un historien ou d'un militaire en fait, pour te dire que les batailles de la saison 8, enfin, même basiquement, elles ne tiennent pas debout 2 secondes. C'est vraiment l'accent est mis sur le visuel, sur le grand spectacle, sur la bataille de la Longue Nuit. Par exemple, on a cette charge de cavaliers Dothraki avec leurs arracs enflammés qui s'éteignent une à une, en fait, qui est vraiment une belle image hein, pour le coup et pour faire monter l'oppression, mais qui, d'un point de vue tactique et d'un point de vue, enfin, si tu as branché ton cerveau, tu n'arrives pas à rentrer dedans, en fait. Et pour la bataille de Port-Réal, on a un peu la même logique avec le fait de mettre la compagnie dorée devant les murs de Port-Réal, alors qu'ils sont en défense et que voilà, n'importe quel tacticien ou historien te dira que, bon, sur ce point-là, niveau tactique, ils n'avaient clairement pas de conseiller, ou en tout cas, ils n'ont pas du tout fait le choix d'avoir cette logique-là. Enfin. Sur le point de la bataille de la Longue Nuit, ce qui est intéressant, c'est aussi que non seulement ils n'ont pas réfléchi à la tactique, mais ils ont assez mal réfléchi aussi à la technologie de visualisation qu'auraient les téléspectateurs sur HBO à la fin. Parce que l'image qu'on voit de nuit, avec les torches qui s'éteignent, etc., c'est bien joli, mais en fait, à la télé, la plupart des Américains qui payaient HBO n'ont rien vu dans leur télé parce que les images sont compressées quand on les envoie ensuite par le câble. Et donc, non seulement ils ont fait des choix visuels, mais en plus, ils ont très mal réfléchi leurs choix visuels pour la réception par derrière. Et donc ça, c'est quand même assez amusant. Et ça montre un certain niveau d'amateurisme, même sur les dernières saisons, qui fait dresser un sourcil. Mais du coup, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un renversement complet entre les premières saisons où il n'y avait pas de budget, donc on cherchait des méthodes un peu réalistes pour cacher ça, et les dernières saisons où c'est complètement le contraire. On a plein de budget, et donc du coup, on va oublier le réalisme pour faire le truc le plus impressionnant possible. Et du coup, ça me permet, je pense, de lier à un prochain sujet qui est est-ce que ce renversement entre les premières saisons et les dernières saisons peut pas être mis en corrélation avec l'investissement de George Martin dans cette série? Alors, Je pose la question. clairement, à ce titre-là, la construction du livre, elle n'est pas anodine. Il convoque Martine sur les premiers chapitres, mais jamais à la fin. On a sur le début du livre des propos de Martine où il loue en général le travail de production de la série, où visuellement il dit que quand même c'était sacrément bien. Voilà. Mais plus le livre avance et moins Martine est interviewée, et tout simplement parce que Martine n'a plus participé du tout à la production de la série à partir de la saison 4. Donc sur les 4 premières saisons, il était
au scénario d'un épisode par saison, mais il a arrêté à la fin de la saison 4. Et on sent que son investissement déjà avait baissé au fil du temps, puisque au tout début, il a beaucoup participé au choix de casting notamment, mais petit à petit, ben, il a perdu son bébé. Et il le dit d'ailleurs dans le livre. Hein, c'est, voilà, y a un moment où j'ai réalisé que la série, c'était plus mon bébé, c'était le bébé de Benioff et Weiss. Et on ne m'interrogeait plus sur des choix scénaristiques, c'était eux qu'on interrogeait. Et ça lui a fait un peu bizarre. Du coup, il a quand même. Moi, c'est intéressant déjà, je trouve, de se dire qu'il a pu donner son avis sur le casting. Est-ce qu'on sait si ça a eu vraiment un impact? Est-ce qu'il y a des acteurs sur lesquels il a dit non? Il y a des acteurs sur lesquels il a dit oui, très fermement. On ne saura jamais les acteurs sur lesquels il a dit non. parce que le bouquin est très dans le, on va dire, dans le positivisme. Donc, du coup, il va pas nous dire ce qui n'a pas marché, à part un autre point, mais on y reviendra plus tard, sur un point précis. Par contre, il a donné des directives en disant, alors je sais plus sur quel acteur, mais en disant prenez cet acteur. Sur Tyrion, Peter Dinklage et sur Sander Clegane. Voilà, c'est ça. Il a dû voir la vidéo de Clegane et du coup il a dit non mais ce mec il faut que ce soit lui quoi. Voilà. Mais il était beaucoup plus investi à ce moment-là. Moi je sais que le bouquin m'a fait me demander à la fin si finalement que Martin soit investi dans la production, ça n'avait pas été une erreur. Alors, je vais m'expliquer, maintenant que j'ai envoyé ce gros pavé dans la mare, c'est que du fait que Martin était impliqué dans la production au départ, ils n'ont pas fait des coupes qui auraient pu être faites dès le début, et alors, la série n'aurait peut-être pas été aussi bonne au départ, c'est possible, mais en tout cas, elle aurait plus ressemblé à ce que les mecs voulaient, il y aurait peut-être eu une certaine forme de cohérence avec ce que les mecs ont fait à la fin, en tout cas. Et je trouve que du fait de cette bâtardise avec Martin présent sur les 4 premières saisons, et puis après il n'est plus là, on se retrouve avec des. Bah, ils le disent clairement, hein, les mecs ils voulaient couper Rickon dès le premier, ils ne voulaient pas mettre ce personnage. Peut-être ils auraient mieux fait. Et je pense qu'il y a plein de petites coupes comme ça qui auraient pu servir, on va dire, la série, dans le sens où les gars qui l'adaptaient auraient été plus possesseurs de leur matière. Qu'avec Martine sur le dos pour le coup. Mais bon, après Oui, là, ça ils se aurait. sont retrouvés un peu coincés avec des décisions qu'ils ont été obligés d'assumer jusqu'à la fin et de façon plus ou moins réussie, quoi. D'ailleurs, enfin, pour compléter ce que disait Chris, il y a un cas où là, les producteurs ont fait le choix de couper le personnage, contrairement à l'avis de Martine, et ça, on sent qu'il n'a pas du tout aimé, c'est le choix de couper Lady Cœur de Pierre. Qui est la réincarnation de Catelyn Stark. Visiblement, il savait où Martin allait la mener. Martin considère que c'est un personnage très intéressant et très important, mais ça n'a pas été l'avis des deux producteurs qui, là, pour le coup, ont fait le choix de la couper. Et pour le coup, c'est peut-être pas plus mal. Au moins, ça laissera un petit peu plus de surprise pour la suite des bouquins aussi. Bah clairement, il y a un point intéressant, c'est que au début des tournages, de toute façon, les scénaristes ne savaient pas où Martin allait. Ils ont appris un certain nombre d'éléments au moment où Martin s'est retiré vraiment, donc après la saison 4. Enfin, aux alentours de la saison 4, quoi. Martin a révélé le destin des personnages principaux aux scénaristes. Après, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Ils n'ont pas forcément eu le chemin pour arriver d'un point A à un point B, donc ils avaient le point B sans avoir le chemin. Mais du coup, dans les toutes premières saisons, de toute façon, il est très très clair dans le bouquin que Benioff et Weiss, ils ne savent pas où Martine va, et Martine est intimement persuadée que les livres sortiront avant que la série ne le dépasse. Et donc là, on voit quand même un optimisme assez pathétique de la part de Martine qui vraiment enfin, quand il connaît ses propres difficultés à avoir déjà sorti Fist for Crows puis Dance à un moment Ça, insérer des rires préenregistrés à cet endroit, quoi, c'est. Et on peut noter que cette saison 4, c'est vraiment un tournant, puisque c'est aussi le moment où les scénaristes vont faire apparaître un personnage qui va être essentiel pour la suite de leur histoire, mais qui dans les faits n'existe pas dans le bouquin, qui est le roi de la nuit. Donc on va vraiment, tu vois, et je pense que c'est ce genre de choix
Typiquement, Le Roi de la Nuit, s'ils avaient su dans quel sens ils allaient, je pense que c'est l'autre qu'on aurait vu dans le premier épisode. Si ça avait été une décision, si on avait eu un vrai travail d'adaptation d'une saga terminée avec des scénaristes qui font les coupes aux endroits où ils les jugent nécessaires et qui sont pas en train de monter cette espèce de monstre de Frankenstein, à moitié en train d'adapter le livre en étant fidèle et de l'autre côté en essayant de produire quelque chose au niveau de la télévision qui tienne la route. Il y a un truc un peu bizarre, mais il y a un aveu d'échec hein, de leur part, à un moment un peu, dans le bouquin, quand ils disent non, mais Game of Thrones, c'est 6 saisons et 13 épisodes. Et on a été voir HBO en disant Game of Thrones, ça sera 6 saisons et 13 épisodes. Et quand tu regardes les 6 saisons, elles ne font qu'adapter les bouquins de Martin. Les 13 épisodes, c'est vraiment eux qui sont en train de. Ils sont pas en train de compter l'histoire, ils sont en train de la raconter. C'est pour ça qu'elle va aussi vite, je pense, dans les dernières saisons. C'est parce qu'ils sont en train de montrer les fils, parce qu'ils ont que ça. Ils ont plus la chair à adapter de Martine. Et du coup, on se retrouve avec cette espèce de squelette un peu bizarre, quoi. Voilà. Donc c'est pour leur aveu, ils le disent quand même à un moment qu'ils veulent pas faire plus et qu'ils ne se sentent pas en capacité de faire plus. Et à ce titre, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils aient choisi comme préquel d'adapter House of the Dragons. Pour le coup, là, le chemin, il est linéaire. On a le début, on a le milieu, on a la fin. Ils vont pouvoir faire les choix de production qui s'imposent, mais en sachant où ils vont. Et je pense que à ce titre-là, alors la série, elle aura peut-être plein, plein, plein de défauts par ailleurs, mais au moins sur les choix qui vont être faits, ce sera au moins des choix guidés aussi par la fin. Ils seront réfléchis sur le long terme. Ils seront pas. En fait, quand tu crées une série télévisée, tu peux pas être un jardinier comme Martin y fait. C'est pas possible. Faut être un architecte. Et ils le disent clairement ça dans le bouquin. Et on peut reconnaître cette honnêteté-là des showrunners. Ils sont pas toujours très doués, surtout quand ils font des blagues. Mais dans les faits, ils ont quand même ce truc-là de dire non, mais on peut pas se permettre de faire popper un personnage et qu'il ne serve pas par la suite. On peut pas se permettre d'engager un acteur, de le signer pour 4 saisons et de pas le faire apparaître pendant une saison. Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est là qu'il y a les limites du travail d'adaptation d'une saga non Ce terminée. dont ils ont eu affaire, hein, d'ailleurs, ils ont eu un. C'est la saison 5, hein, où Bran, par exemple, apparaît pas du tout. Alors que, vu l'importance de Bran à la fin, et le fait qu'il finisse en fait sur le trône de fer à la fin, ça pose problème, en fait, parce qu'on comprend moins pourquoi il est là, alors qu'il n'a pas eu de construction sur le long terme. Il a été totalement mis de côté pendant une saison en entier. Le limier aussi disparaît pendant une saison et Oui, demie, mais aussi. la logique d'une série télévisée, c'est que même s'ils n'apparaissent pas, ils sont payés. Puisqu'ils sont payés pour les saisons sur lesquelles ils sont engagés, c'est-à-dire sur les 8, du coup. Donc on a ce petit truc-là qui va d'ailleurs à la fin donner un petit sur le côté production qui est assez intéressant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les mecs ont fait moins d'épisodes sur les saisons 7 et 8? C'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement parce qu'ils n'avaient pas l'inspiration. En soi, les saisons, tu pourrais les découper en 10 épisodes, comme d'habitude. La seule différence, c'est que les acteurs, ils sont payés à l'épisode. Et qu'ils ont 5 acteurs qui leur coûtent 1 million chacun par épisode. Par conséquent, si on fait des épisodes plus longs, ils touchent la même chose. Mais on a un peu plus de budget pour l'épisode pour faire autre chose avec. Et vu qu'on parle d'introduire des personnages qui servent à rien, etc., est-ce qu'on parlerait pas de Dorne? Alors ça, pour le coup, on peut reconnaître au moins une chose au livre aussi, c'est que sur ce point-là, très précis, ils reconnaissent que ça n'a pas marché. Autant sur la saison 7 et 8, ils sont incapables de dire que ils excusent l'intégralité de leur choix en disant c'était génial. Autant sur Dorne, même eux, ils n'arrivent pas à se justifier. Et voilà, donc ils nous disent bon ben ouais, on a cherché à introduire les Aspics. On a essayé de ramener Dorne, de ramener Jaime à Dorne. Ça n'a pas très très bien marché. Coup Désolé. d'épée dans l'eau, Dorne, vraiment. Alors après, il y a deux, trois petits trucs qui justifient, enfin pas qui justifient, mais en tout cas, il y a des choses qu'on voit vraiment le décalage entre le scénario et le tournage. On tendance à dire que généralement, quand tu fais un film ou une série, tu as trois phases d'écriture, scénario, tournage, donc ce que tu as la possibilité de faire par rapport à ton scénario, et montage, où tu vas réagencer encore ton histoire. Et Dorne a vraiment souffert de ça, parce que déjà en montage, c'était des acteurs qu'on voyait moins, donc moins de temps à l'écran. En plus, sur le tournage, bah, ils n'ont pas pu tourner certaines scènes comme ils voulaient, parce qu'ils ont tourné notamment dans le palais espagnol, dont le nom m'échappe L'Alcazar. absolument. C'est l'Alcazar Voilà. de Séville.
Ils ont tourné là-bas, mais ils n'avaient pas la possibilité de tourner leur scène de nuit. Donc il a fallu la tourner de jour. Donc du coup, l'impact de la scène était complètement amoindri. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont. Mais ils ont été un peu d'échec en échec, hein. Tu le sens. Il y a notamment sur la personnalité des aspics. Parce qu'il y a genre le réalisateur qui dit, ah non, mais elles n'ont pas de personnalité, c'est pas grave. Et les actrices qui sont là, ah, elles ont chacune leur personnalité. Et à une demi-page d'intervalle, tu as les deux sons de cloche différents. C'est ça, c'est que sur une page, en fait, il y a les actrices qui disent qu'elles se sont amusées à inventer tout leur background, toute leur histoire. Et au final, la page juste derrière, en fait, c'est recto verso, où le réalisateur dit que oui, ce qui était un des gros problèmes, c'est qu'elles sont interchangeables et qu'on n'arrive pas bien à les distinguer les unes des autres, en fait. Le fait qu'elles soient peut-être introduites toutes en même temps dans une scène un poil caricaturale quand même. Qui met en avant la thématique de la vengeance, en fait, qui est la thématique qui est associée à Dorn, mais qui l'est de façon pas du tout subtile, contrairement au livre où c'est un peu plus complexe, où c'est une même thématique, hein, mais c'est une thématique un peu plus complexe. Là, on a vraiment une thématique, enfin, des personnages qui sont très unidimensionnels, et ça change par rapport aux autres types de personnages. Alors, ils essayent de justifier un petit peu aussi leur échec en disant que si ça n'a pas été apprécié non plus, c'est aussi parce que les spectateurs n'aiment, enfin, ne voulaient pas avoir de nouveaux personnages à ce stade-là de la saison. Ce qui, je trouve, est un argument un petit peu faible, parce que si tu arrives à bien intégrer un personnage, bah, typiquement Oberyn, hein, qui arrive assez tardivement par rapport aux autres, ça Et peut puis marcher. qu'elle a qu'une saison. Ouais. Qu'elle Et a 8 épisodes qui en est là Oberyn. qu'une saison et qui a un charisme tellement incroyable et un personnage qui est bien écrit, qui fait qu'il est marquant de façon assez incroyable. Mais de manière générale, de toute façon, à partir de Dorne, c'est le moment où ils n'ont plus réussi à introduire le moindre nouveau personnage de manière crédible. Que ce soit les Aspics, que ce soit Euron par la suite, ils n'y arrivent pas. Et c'est assez amusant parce que du coup, les mecs ils disent oui, mais c'est parce que les autres, ils se sont attachés aux personnages qu'on leur a décrits avant, et donc on veut pas, et donc du coup ils voulaient pas aller sur les nouveaux personnages. Donc, c'est un problème aussi des spectateurs. Mais non. C'est faux. Mais c'est faux parce que on l'oublie presque, mais dans la première saison, il n'y a pas Davos, il n'y a pas Stannis, il n'y a pas Mélisandre, il n'y a pas les Tyrell. Et eux ont été introduits de manière complètement fluide, et les spectateurs sont complètement investis dans ces personnages. Davos, c'est un personnage essentiel de la série. Bon, à la fin, ça commence à devenir les petites blagues un peu toutes pourries, mais n'empêche que t'oublies presque qu'il n'était pas dans la première saison, et donc, ça paraît naturel de les avoir introduits comme il Yamissandé faut, quoi. et Vergry aussi, hein, qui arrivent assez tardivement et qui font partie des personnages les plus emblématiques et ceux auxquels les spectateurs ont été les plus attachés. Bah, sans être dans les plus emblématiques et des personnages qui reviennent un peu plus tard, il y a tout ce qui est autour de la Fraternité sans bannière avec Beric Dondarrion et Taurus de Myr. On les voit en saison 3, ils disparaissent, les mecs ils reviennent en saison 7, ça va, le public il est pas concon, il sait qui c'est, il les reprend, enfin non, ils reviennent fin de saison 6 plutôt. Et du coup, ça, je sais pas, ça fonctionne, tu vois, il n'y a pas besoin. Mais ils ont quand même aussi un petit problème avec les personnages. Alors, je trouve qu'ils ont du mal avec cette histoire d'introduction de personnages sur la fin. Mais c'est aussi la saison 5 où ils ont du mal avec l'idée de terminer un arc scénaristique de personnages qui ne soit pas la mort du personnage. Les personnages ne peuvent pas se barrer et aller vivre ailleurs dans l'univers. Ils doivent mourir. Enfin, moi, je sais pas, et c'est devenu une caricature à ce niveau-là, je trouve. Dans la saison 5, tous les personnages qui meurent, c'est des espèces de cliffhangers de fin d'épisode. Et on te montre ça. Que ce soit Stannis, que ce soit Baristan, que ce soit tous ces personnages qui meurent en saison 5 sont absolument. Enfin, je sais pas, ils ont plus rien à raconter donc ils crèvent quoi. Et c'est visible en fait, c'est un peu dommage. On a failli avoir Gendry qui partait en barque, hein, mais finalement il est revenu. Mais. Il y a une anecdote à ce titre-là qui est assez marrante, c'est quand même qu'il y a un acteur, alors on ne sait pas lequel, mais qui aurait écrit une lettre très 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 salée aux scénaristes pour leur expliquer à quel point c'était une mauvaise idée de tuer son personnage. Et il était super vénère qu'on l'ait tué. A priori, les autres acteurs, ça va, ils ont bien vécu leur mort. Mais alors celui-là, on ne sait pas qui c'est, mais chut, il n'est pas content. C'est suggéré que c'est Stéphane Dylan à ce niveau-là, après. Stephen Dylan qui incarne Stannis Baratheon, du coup.
Mais le pauvre Stephen Dylan, il n'a pas trop justement la voix au chapitre hein, dans ce bouquin. Ça fait partie justement des éléments un petit peu sur lesquels il faut un peu prendre de recul par rapport à ce livre, c'est que tout le monde n'a pas sa voix au chapitre. C'est aussi un choix de l'acteur de pas répondre aux interviews, c'est aussi comme ça qu'il fonctionne. Mais du coup, voilà, on n'a pas tous les points de vue de tout. Bah, on a un espèce d'effet en termes de ressenti qui donne un peu l'impression, mais c'est valable pour Stannis, mais je trouve que ça se ressent même dans la série quand tu regardes les épisodes. L'effet, Stannis, les réalisateurs, les showrunners n'aiment pas cet arc. On sent qu'ils n'aiment pas cet arc, ils sont pas très intéressés par les acteurs qui sont en train de le jouer, de l'incarner. La preuve, c'est que Benioff et Weiss, ils vont le refiler à Brian Cogman. Comme des malpropres pour pas avoir à s'en occuper. Eux, de toute façon, ils sont amoureux des Lannister et ça se voit beaucoup dans la série. Et on va avoir du coup ce petit décalage. Et dans les anecdotes de prod, ça se sent un peu aussi, tu vois, genre ah bah Stephen Dylan ou c'est celui qui vient pas boire un coup un peu quoi. C'est celui qui était pas invité au party avec les gens cool, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça qui se dégage. Ouais, mais alors il y a un truc trop mignon, c'est quand même que la seule et unique personne qui défend dans ce livre Stéphane Dylan, c'est l'acteur qui interprète le rôle de Davos. Il est quand même tellement choupi, tu vois, mais dans tout ce bouquin, je pense que c'est le héros de ce livre, dans tout le bouquin, dès qu'on l'interviewe, il dit des trucs Il dit des choupis. trucs sensés. Et il est pas dans la, il est assez peu dans le superlatif, mais je pense parce que c'est un acteur qui a de la bouteille. Il a tourné avec plein de monde et du coup, il a un peu, c'est pas, tu vois, contrairement à Kit Harington, Emilia Clarke et tout ça, pour qui c'est leur première expérience de cinéma, Liam Cunningham, il en a derrière lui quoi, notamment Centurion, tant pis pour lui. Et il dit des trucs assez sensés. C'est lui qui va intervenir quand ils vont essayer de créer une histoire d'amour entre lui et Missandei quoi. On peut en parler de ça. Ouais, concrètement, il explique que les scénaristes voulaient créer une histoire entre Missandei et Davos. Et lui, il a dit non, non, pas question. Davos, il a eu tout un arc avec une petite fille, qui est Chérine. la petite Shireen. Et il n'est pas question d'amoindrir ça avec une relation d'un vieux amoureux d'une petite jeunette. Ça va pas, c'est pas le personnage, ça colle pas. Et tu sens qu'après, les scénaristes, ils ont pas su quoi faire du personnage. Ils avaient leur idée là de romance malsaine entre Davos et Missandei, et ils ont pas su rebondir. Et du coup, ils lui ont collé un espèce de rôle de bouffon à faire Bah, des deux trois vannes ah, avec Tyrion, c'est celui qui et s'est ça retrouvé marche à pas faire du des tout. vannes sur l'amourette de Jon Snow, du coup, quoi. Pendant toute la saison 7. Genre, vous la regardez d'un peu trop près, vous la trouvez un peu trop jolie, hein. C'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle est censée, hein. Si je ressens, si je résume sur l'introduction des nouveaux personnages, ils assument vaguement pour certains qu'ils ont fait ça pas très bien. Est-ce que ils assument les problématiques de temporalité dans les dernières saisons dont beaucoup de gens ont beaucoup parlé, surtout nous sur la garde de nuit? Bah, il y a différents sons de cloche à l'intérieur du bouquin. Il y en a quand même un qui fait machine arrière. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est un des C'est réalisateurs. Alan Taylor. Ouais, d'accord, Le ok. réalisateur, Alors. enfin, il fait machine arrière en disant ouais, qu'il s'est détrompé. C'est le réalisateur de l'épisode où ils sont au-delà du mur et du fameux épisode où en une nuit le corbeau fait le petit aller-retour, enfin fait l'aller jusqu'à Père Dragon et Daenerys vient avec son dragon. Et lui, son argument, ça avait été de dire oui, mais on est dans une série où de toute façon vous avez un dragon qui vole aussi vite qu'un Boeing 737 ou 747, je ne sais plus, qu'un Boeing. Et donc vous venez pas m'embêter sur la temporalité, et ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas très très bien compris ce que c'était que la fantaisie. Mais voilà, au moins voilà, On il a a compris. Voilà. aussi ces Gendry qui part en courant et qui traverse, enfin, qui en quelques heures traverse tout ce qu'ils ont fait en plusieurs jours de randonnée. Enfin, il y a plusieurs problématiques, Chris. Ouais, alors juste pour revenir sur un peu. Alors, ça, sur le problème de Gendry, moi je pense que c'est un problème de découpage. On disait ces histoires d'épisodes, de gros épisodes, tu vois, de saison 7 et 8. Là, il y avait quelque chose qui était très facile à faire, c'était de coller naturellement une ellipse en faisant partir Gendry, cut, et l'épisode d'après, tu reprends sur la suite. Et comme tu as le décalage naturel de la diffusion hebdomadaire, tu avais une ellipse qui se faisait toute seule dans l'esprit du spectateur, et tu pouvais assumer le retour de Gendry dès le début.
de l'épisode suivant. Mais le fait d'avoir tout collé dans le même, ça te décrédibilise complètement ça. Et là où Alan Taylor, il est pas très honnête, c'est que il est pas juste venu tourner cet épisode-là. C'est le mec qui a tourné les deux derniers épisodes de la saison 1 et qui en a tourné 4 sur la saison 2, tu vois. Donc du coup, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de Game of Thrones. Bon, après, il va plus bosser pour eux parce qu'il va aller au cinéma faire 2-3 trucs. Mais voilà, c'est pas très honnête cette histoire de temporalité. Ils disent qu'ils ont fait une erreur dans le sens où les gens, on les a habitués à une certaine temporalité, à une certaine longueur dans les actions et à des temps de déplacement entre les personnages, même si Littlefinger a un téléporteur pendant toute une partie de la série. Varys et Mélisandre aussi, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, il y a quand même une espèce d'approche longue qui a été mise en place pendant les premières saisons, avec des durées entre guillemets réalistes pour de la télévision de déplacement. Et ils les ont annulés d'un coup parce que ça les arrangeait. Et ils se sont dit, oui, mais en fait, nos spectateurs, c'est des spectateurs qu'on a habitués à ce rythme-là. Donc si tu le changes, tu as forcément un problème. Tu as forcément un problème avec la réception. Et de manière générale, on voit que même les acteurs se sont posés beaucoup de questions à ce moment-là. Tu vois que donc on les interviewe aussi sur leur retour à la lecture des scripts, et tu vois que tous se disent, mais c'est bizarre, c'est pas le même rythme qu'avant. Est-ce que les spectateurs vont adhérer? Et on sent à ce moment-là qu'il y a eu un souci avec le cadrage des showrunners. Je pense que comme leur série était très célèbre, qu'elle avait beaucoup beaucoup de buzz positif, qu'elle faisait beaucoup d'argent pour HBO, on leur a laissé les rênes. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient et c'était les maîtres du show. Et plus personne ne pouvait ni n'osait leur dire, attendez les gars, là il y a un problème, il faut que vous soyez recadrés. On sent que ils se la ramènent pas quand ils parlent à certains acteurs qui ont vraiment de la bouteille, comme Jonathan Pryce qui interprète le rôle du moineau, ou alors comme Diana Riggs qui interprète Olenna Tyrell. Là, à ce moment-là, vraiment, tu sens que le rapport des forces entre l'acteur et les showrunners est complètement en faveur de l'acteur. Et ça, c'est vraiment clair dans le livre. Mais alors par contre, pour les personnages principaux, qui sont dans l'ensemble des acteurs qui sont très jeunes, qui n'ont que très peu d'expérience, donc comme Kit Harington pour Jon Snow ou Emilia Clarke pour Daenerys, à ce moment-là, ils ont les brides complètement lâchées. Et personne va leur dire, eh les gars, ça va pas là ce que vous faites. Il faut arrêter, il faut que vous vous reposiez 2 minutes et que vous vous disiez non. Non, là, c'est les décisions que vous prenez, les spectateurs, ils vont pas adhérer. Et je pense que petit à petit, en fait, c'est des mecs qui ont pris vraiment peut-être pas la grosse dette, mais en tout cas, ils ont pris la confiance parce que la série avait bien marché, parce que eux-mêmes partent de pas vraiment loin non plus, hein. Ils sont assez débutants quand ils commencent. Et on a confié à des débutants un truc qui a super bien marché. Donc ben on leur dit allez-y, hein, continuez sur cette lancée. Mais les mecs, du coup, ils sont allés droit dans le mur parce que personne leur a dit eh, faut s'arrêter là, ça va pas. Et après, je pense que plus généralement, ces histoires de cohérence en fait, qui sont un petit peu mises de côté, où les réalisateurs et les showrunners se disent bon, c'est pas très grave par rapport au reste. C'est peut-être aussi un rapport aux littératures de l'imaginaire et à la fantasy où on se dit ah bah parce qu'il y a de la magie dedans, c'est pas grave si c'est pas très cohérent en fait. Et je pense que là il y a vraiment une distinction à faire entre la cohérence interne et le fait qu'il y ait de la magie. C'est pas parce qu'il y a de la magie dans un monde qu'on a le droit de tout faire ou qu'on a le droit de mettre tous les deus ex machina. Et ce qui fait aussi la force du récit de Martine et des premières saisons, c'est justement ce dosage et cet équilibre qui est fait entre l'utilisation d'éléments magiques, donc qui peuvent sortir de la crédibilité, mais qui sont suffisamment bien intégrés pour ne pas sortir le spectateur de ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Martin insiste vraiment beaucoup, beaucoup, hein, dans des interviews récentes, hein, d'ailleurs, où il dit que oui, bah voilà, c'est pas parce qu'on est en fantasy qu'il y a des dragons qu'on a le droit de faire n'importe quoi et que les personnages ont le droit de se déplacer à 500 km. Mais il y a quelque chose aussi, je pense, qui est inhérent aux médias en fait qu'ils utilisent, qui est le média série. C'est-à-dire que les mecs, une fois qu'ils ont eu leur pilote de validé, qu'ils sont partis et qu'ils ont commencé à enchaîner les saisons,
Sachant que Benioff et Weiss, ils ont été au four et au moulin, ils ont voulu trop tout faire. Ils étaient showrunners, ils étaient scénaristes, ils étaient producteurs, ils étaient réalisateurs d'une partie des épisodes. Tu peux pas avoir toutes ces casquettes-là sur un format série, c'est pas possible. Effectivement, t'as pas de vie sociale pendant 10 ans déjà. Et en plus, t'as un vrai souci. T'as personne qui va pouvoir remettre en cause ton travail puisque tu as toutes les casquettes. Et techniquement, les gens qui sont là pour justement t'aiguiller dans ton boulot, qui sont les producteurs, qui sont les réalisateurs quand il va y avoir les scénaristes, bah, ils vont être là pour te dire justement que bah, attends, là ça marche pas, là t'as pas de regard extérieur du coup. Et c'est là qu'il y a un souci, et c'est là que le problème, c'est que c'était juste un train en marche sur lequel devant lequel ils posaient les rails en fait tout le temps, parce que l'année suivante fallait sortir la saison d'après. Mais c'est là que tu peux saluer d'autres chaînes, alors du coup de télévision. Comme Canal en France, qui laisse le temps aux gens de faire leur saison, tu vois. Bon, alors après, tout n'est pas forcément bon, mais s'ils doivent prendre 3 ans pour faire une saison, ils prennent 3 ans pour faire une saison. Et le rythme des États-Unis ne le permet pas. Et cette peur de perdre l'audimat va faire qu'ils vont même se poser une question de faire cette espèce de trou d'un an où ils vont revenir pour la saison 8, où ils vont faire cette fameuse pause. Mais c'est une pause qu'ils auraient dû faire bien avant. Ils auraient dû la faire pas entre 2 saisons, mais toutes les 2 saisons, ils auraient dû laisser un an. Oui, pour prendre le temps de réfléchir un peu à ce qu'ils allaient faire, quoi. Et à propos du coup du manque de regard extérieur, est-ce que ça s'est pas un peu ressenti aussi dans, j'imagine que c'est le cas un peu dans beaucoup de séries et dans le milieu d'Hollywood, on en a beaucoup parlé, mais dans tout ce qui était place de la femme et rapport à la gestion de la femme dans la série, que ce soit les personnages ou les femmes qui participaient à la série en tant que personnes elles-mêmes. Alors en fait, il y a deux aspects, et là pour le coup, le livre il est hyper hyper instructif là-dessus. D'un côté, tu as un aspect les femmes dans la production, et là vraiment, on est sur une série qui est pré-Me Too. Et en fait, moi ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, mais dis donc, en quelques années, c'est des problématiques qui sont venues sur le devant de la scène dont on ne parlait pas, et en 10 ans, on a un recul sur les problématiques féministes qui fait que on se dit, mais ça allait pas du tout en fait la façon dont ils traitaient les femmes sur le plateau. Alors il y a plusieurs exemples. Tu as un premier cas qui est le cas de Bernadette Caulfield. Bernadette Caulfield, c'est une productrice exécutrice sur la série. Elle est promue à partir de la saison 2 et on l'interviewe régulièrement dans le livre. Et elle a quand même une position sur la production qui est donc pas négligeable. Hein. C'est quasiment le numéro 3 de la production. Elle s'occupe de tous les aspects financiers, notamment. Voilà. C'est un chargé de production géant en fait. Donc elle est occupée de gérer le tournage. C'est un peu le rôle du producteur exécutif normalement. Et globalement, dans le bouquin, on se rend compte qu'on la traite comme une secrétaire. C'est hallucinant en fait. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que le respect qu'on lui devait n'était clairement pas celui qu'on lui a apporté. Typiquement, c'est elle qui a fait venir le réalisateur Neil Marshall, dont on parlait pour La bataille de la Nera, donc le fameux réalisateur qui sait faire de la bataille à petit budget. C'est elle qui a pensé à lui. Et globalement, on lui a dit à ce moment-là. Ouais, bah écoute, si tu veux, nous on est un peu dubitatif, mais de toute façon, si t'as des décisions, tu te Et en démerdes. gros, si jamais, c'est pire que ça, parce que le texte dit un peu, si jamais c'est un choix foireux, c'est ta faute. Il y a ce truc-là quand même qui alors c'est peut-être pas dit aussi brutalement que ce que je viens de dire, mais quand tu lis le paragraphe, tu fais, ok, donc en fait, elle prend une décision à un moment qui va s'avérer être un bon choix en plus, et on lui a quand même mis en face, si jamais ça marche pas, c'est toi, quoi. Et là, d'un coup, ils font plus corps, quoi. C'est un peu. Ouais, cette position de la femme, ouais, dans les productrices, mais même dans les réalisatrices. Hein. Il y a une réalisatrice, deux réalisatrices en tout. Les scénaristes, c'est quasiment inexistant. Effectivement, comme tu dis, c'est une série pré-Me Too. Et heureusement qu'il y a eu. Alors, pas heureusement pour toutes les femmes que ça concerne à Hollywood, mais heureusement qu'il y a eu l'affaire Weinstein, quoi. Tu dis ça, c'est un peu un constat un peu désolant, mais ce qui rend mal à l'aise dans le bouquin, c'est que c'est tourné de manière à rendre les choses cool. Et ça, il y a un vrai décalage dans le ton et ce qu'on te raconte.
Et à ce titre-là, il y a une anecdote qui est racontée, qui est assez choquante, qui est au moment où, en saison 1, il y a pas mal de scènes de nu, en fait, avec Emilia Clarke, hein, pour le personnage de Daenerys. Et il y a un passage où elle raconte que elle se battait en fait pour garder un voile sur elle quand elle filmait les scènes de nu en fait, et que les tournages étaient éprouvants au point que elle pensait aller dans les toilettes pour pleurer en fait. Donc on arrive à mettre des actrices dans des états plus que délicats. Et juste après dans le livre, mis en miroir de cet élément-là, on a une blague sur la chaussette sur la bite de Jason Momoa, donc qui joue Khal Drogo, où en fait là pour le coup la nudité masculine est prise de façon beaucoup plus rigolote, et le fait de mettre les deux en miroir, ça minimise un petit peu la violence avec laquelle Emilia Clarke et les femmes de manière générale ont pu vivre, hein, la façon dont la nudité est filmé à Hollywood, où les actrices en fait sont finalement, on voit, assez peu protégées, hein, par rapport à ce genre de scène, en tout cas à ce moment-là. Mais de manière générale, il convoque un certain nombre de femmes qui ont eu à être nues dans le tournage. On a Carice Van Houten aussi, qui dit que avec le recul, elle se demande un peu pourquoi on l'a mis à poil sur autant de scènes. Donc Mélisandre. On a aussi l'actrice qui jouait Rose, la prostituée qui se fait violenter par Joffrey et qui apparaît dans un certain nombre de scènes qui sont clairement de la sexposition. Enfin, c'est des scènes où, pour expliquer des choses, dans le bordel de Littlefinger, souvent, on met derrière des corps de femmes nues qui, en plus, font souvent des positions très très gênantes. Et sur ce genre de tournage, les actrices, elles nous disent clairement qu'elles n'étaient pas protégées, que quand elles demandaient à être seules sur le plateau pour pas que les gens les regardent, leur souhait n'était pas respecté. Donc elles se retrouvaient à poil, tout d'un coup elles tournaient la tête et il y avait 15 mecs qui étaient en train de les regarder. Et tu es vraiment gêné à la lecture. Tu te rends compte que la façon dont ils ont traité la nudité des actrices sur le tournage, est vraiment problématique. Et alors, juste pour rappel, quand même, en 7 saisons, donc 67 épisodes, il y a eu 80 scènes, 82 scènes de nu, et 61, c'était de la nudité féminine. Et donc, le plus souvent, c'était de la sexposition, de la nudité totalement gratuite. Et donc, non seulement c'était gratuit, mais en plus, les actrices l'ont très très mal vécu. Et là, tu te dis, mais il y a vraiment un souci sur les tournages. Et en plus de ça, après, ce qui est assez drôle, c'est que c'était les acteurs eux-mêmes qui se sont mis dans une espèce de position paternaliste en essayant de protéger leur co-actrice. On voit notamment Liam Cunningham qui dit, bah oui, moi, quand Carice, donc Mélisandre, devait être nue, bah, j'essayais de la supporter, de l'aider. Pareil pour Ian Glen vis-à-vis de Emilia Clarke. Il disait, j'essayais que ça aille beaucoup mieux. Donc Jorah Mormont, oui, pardon. Donc j'essayais que ça aille beaucoup mieux pour elle, et donc ceux qui auraient dû être une clé du tournage, qui aurait été donnée par les producteurs, ça a dû être au final totalement géré par les acteurs eux-mêmes. Alors aujourd'hui, il y a des consultants nudité sur les tournages. C'est HBO qui a inventé ça, et ma foi, ben heureusement. Et donc c'est là aussi où tu vois que Mouni C'est 2 pas sert à inventé, quelque hein, c'est chose. une obligation maintenant. Depuis Weinstein, en fait, c'est obligé d'avoir ça sur les tournages. C'est une norme du cinéma. C'est devenu une norme du cinéma américain. Voilà. C'était la petite précision. Mais sur Ross, ce que tu disais, il y a deux anecdotes quand même qu'on peut retenir en plus. C'est que d'une part, si jamais vous n'avez jamais lu ça et que vous comptez pas forcément lire le livre, il y a un truc qu'on peut vous dire, c'est que Ross, quand elle a passé son casting, elle est restée habillée et que ça a choqué les producteurs. Parce que c'est Brian Cogman qui a fait le casting et lui il n'était pas au courant qu'il fallait demander aux actrices qui allaient tourner des scènes de nu de se foutre à poil, ce qui en soi est un peu salutaire, mais tu te dis, mais en fait, c'est comme ça que ça devrait se passer parce que peu importe, t'engages la personne pour qu'elle joue le rôle, tu t'en fous de comment elle est quoi. Et il y a un deuxième truc, c'est Martine qui demande au scénariste de lui donner un prénom.
Il y a ce truc-là dans le bouquin qui dit arrêtez de l'appeler la prostituée rousse. Vous lui donnez un prénom maintenant, c'est un personnage. Et justement, du coup, ça nous permet aussi de voir le deuxième aspect de la place des femmes, cette fois-ci à l'intérieur du scénario de Game of Thrones, en s'appuyant sur le viol de Sansa en saison 6, qui a vraiment pas mal choqué, et sur lequel il y a eu énormément de choses qui ont été écrites, beaucoup d'encre a coulé. Et dans le livre, ils y reviennent avec un chapitre entier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart des arguments qui mettent en avant pour expliquer ce choix laissent très très dubitatif. On a par exemple, bon, un des arguments, c'est que par exemple, cette scène-là, ça s'est bien passé sur le tournage. Oui, encore heureux que ça se soit bien passé sur le tournage. Enfin, c'est le minimum, ça devrait même pas être un argument. Et on a aussi le fait que ce viol de Sansa est mis en miroir là aussi avec la violence qu'on a dans Game of Thrones, et notamment avec le fait qu'on tue aussi des enfants et qu'on tue des animaux, ce qui montre aussi qu'il y a des éléments qui n'ont pas été très bien compris, le viol étant quelque chose lié à un système de domination des hommes sur les femmes, hein. C'est pas du tout, enfin, c'est pas possible de mettre sur le même plan des morts à la guerre ou des morts d'animaux et un viol de femmes. Ouais, et alors il y a un argument qu'on peut peut-être un peu plus entendre, qui est le fait qu'il fallait protéger Sophie Turner, donc l'actrice qui joue Sansa, qui est très jeune. Et donc, du coup, pour cela, ils ont choisi de ne pas montrer la scène directement, mais de la montrer par les yeux de Théon. Et alors, effectivement, humainement, ça peut s'entendre, sauf que du coup, le problème, c'est que cette scène, elle est encore pire si on la regarde au travers d'un filtre féministe. Le problème, c'est que du coup, on enlève le regard à la victime, on enlève la parole à la victime pour la remplacer par ce qu'on appelle le male gaze, donc le regard masculin sur le viol. Et donc en fait, la victime de cette scène, ce n'est plus celle qui se fait violer, c'est celui qui regarde. Et là, c'est quand même très problématique de priver la parole à la femme. Alors, on comprend, hein, on comprend que c'est effectivement difficile de mettre une jeune fille qui sort à peine de l'adolescence dans une situation comme ça. Mais enfin, après, il y a d'autres choix scénaristiques qui auraient pu être faits. Juste, on pouvait suggérer les choses. On n'était pas obligé de choisir le male gaze pour protéger Sophie Turner. Et C'est un alors, prétexte parce que très souvent, en fait, ils ont fait le choix de... Mais c'est un choix qui est global sur la série et pour le coup, ce qui est dommageable, c'est que ça s'applique aussi à cette scène-là, c'est de toujours montrer plutôt que de suggérer. oui, et là ils ont voulu faire un intermédiaire, mettre un peu de pudeur, mais du coup pas suffisamment pour éviter un autre écueil, quoi. Et donc après, ils convoquent un autre argument en disant que si on réagit autant, c'est parce que on parle de Sansa qui est un personnage qu'on connaît très 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 bien, alors que personne n'aurait mouveté si on avait parlé d'un personnage qu'on n'avait jamais vu, un personnage méga secondaire. Alors ça, c'est vrai que ça peut s'entendre, et c'est vrai que typiquement dans les livres, il y a aussi un viol pendant la nuit de noces de Ramsay, c'est le viol de Jane Poole. Jane Poole. Effectivement, on est moins attaché, donc peut-être que émotionnellement, on le vit moins fort. Mais il y a aussi cette histoire de male gaze où, ma foi, Jane Poole, de toute façon, on n'a jamais eu son point de vue, donc c'est pas trop grave de ne pas l'avoir aussi sur le moment de son viol. Mais n'empêche que, même quand c'est la méchante qui se fait violer, on a aussi des débats. Enfin, il y a un autre viol, dont pour le coup, il ne parle pas du tout dans le livre, qui est le viol de Cersei par Jaime, qui est un viol qui est un viol conjugal, voilà, où elle dit clairement non et elle se fait violer. Et ce moment-là, on n'en parle jamais, et pourtant ça a aussi fait couler énormément d'encre. À tel point que Martine a répondu à un commentaire sur son blog, ce qu'il ne fait que très 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 rarement maintenant, quoi. En disant que justement, lui, c'était pas la scène qu'il avait écrite. C'est un peu sous-entendu, c'est-à-dire que je sens qu'il a un contrat qui dit qu'il n'a pas le droit de dire que c'est pas bien, mais dans les faits, c'est pas cautionné, quoi.
Bon, alors après, vu le tout début avec Daenerys versus Khal Drogo, on peut dire ce qu'il veut. Effectivement, même Martine, sur le côté viol conjugal, et là, on sent probablement une période qui est encore bien antérieure. Voilà, il a écrit ses scènes dans les années 90. C'était des problématiques féministes qui probablement n'étaient jamais passées à l'esprit. Je pense qu'il n'écrirait pas aujourd'hui la même chose. Mais c'est en ça qu'il y a un truc intéressant quand même un peu avec la série, quand tu prends un peu de recul sur ce bouquin-là et la manière dont il amène les choses, c'est que tu te rends compte à quel point c'est déjà devenu un dinosaure en fait. Oui, il y a eu un changement d'époque entre au cours de la saison. Bah, en cours de production, ouais, le monde a tellement évolué sur ces questions-là, sur les questions de représentation aussi. C'est pas évoqué hein, dans le bouquin, mais sur la question des représentations des minorités, il n'y a rien dessus. Donc du coup, tu vois que ça a évolué, tu vois que ça a changé, et cette Game of Thrones ne pourrait plus se faire aujourd'hui pour toutes ces raisons. Même sur les dernières saisons, on sent que, alors on sent qu'ils ont essayé un petit peu d'intégrer certaines remarques, mais même sur les dernières saisons, on a cette utilisation du viol comme outil scénaristique avec cette phrase de Sansa dans la dernière saison qui dit que le viol l'a rendue plus forte. En fait, ce qui est là, qui est pour le coup, qui est bon, assez problématique d'un point de vue féminisme, mais qui est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, bon, qui a l'air d'être, les gens commencent à prendre conscience que c'est quelque chose qui, bah non, en fait, non, on peut très bien faire un personnage féminin fort sans avoir besoin de l'humilier physiquement et mentalement, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve jusque dans la saison 8. Et une autre justification souvent sur le traitement des femmes dans la série, ça va être oui, mais c'est une série qui se passe dans un contexte type Moyen Âge, à cette époque c'était comme ça, etc. Babar, notre historienne en chef, est-ce que tu as quelque chose à répondre à cet Pas argument? tout à fait encore historienne, mais oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce livre. Alors pour les femmes, mais plus généralement, on a plusieurs fois, c'est l'auteur, hein, donc James Ibert, qui dit que la saga représente la véritable brutalité du Moyen Âge, que c'est une représentation authentique de pratiques moyenâgeuses féroces. Alors bon, vous oubliez ça. Tout de suite, le Moyen Âge de Game of Thrones n'est pas un Moyen Âge réaliste. C'est une vision sur le Moyen Âge qui est plus ou moins déformée. Il y a certains aspects qui sont bien rendus, d'autres qui sont beaucoup plus déformés. Et cette vision particulièrement sombre, brutale et violente du Moyen Âge, c'est quelque chose qui est assez courant hein, dans l'imaginaire qui est associé au Moyen Âge et qui est héritier de la période notamment de la Renaissance, mais qui est relativement fausse parce que c'est pris unitairement tout seul. À ce titre-là, pour le coup, je renvoie au livre de Florian Besson et de Justine Breton. Une histoire de feu et de sang qui est sortie cette année et qui justement décortique ces problématiques-là et qui montre à quel point le Moyen Âge de Game of Thrones n'est pas quelque chose de réaliste en soi, en tout cas c'est pas un réalisme historique, mais ça correspond plutôt à quelque chose dont on s'attend à voir au Moyen Âge. Mais ce Moyen Âge, en fait, le Moyen Âge ne se résume clairement pas à la violence. Et à la brutalité, c'est une période qui effectivement, sur laquelle il y avait des guerres, il y avait des massacres et plein d'horreurs, mais c'est pas du tout la seule période de l'histoire. Hein. L'histoire humaine de manière générale est ponctuée de guerres et d'horreurs, hein, même jusqu'à aujourd'hui. La violence à l'époque médiévale était bien sûr encadrée. Et bien sûr, nous, avec notre regard contemporain qu'on a sur cette période-là, forcément, il y a un certain décalage, ce qui fait que on peut trouver certains aspects violents. Mais c'était pas une période barbare et sans foi ni loi. Hein. Il y a des lois qui encadrent toutes les relations sociales. Hein. Le viol est bien sûr quelque chose qui est puni. À ce titre-là, Martine est un petit peu plus nuancée. Que ce qu'on a dans ce livre. Alors, lui aussi a une vision hyper rude, hyper déformée hein, du Moyen-Âge, mais il a une vision un petit peu plus nuancée, dans le sens où lui aussi évoque la période contemporaine
quand il fait cette description où il dit que bah, les viols de femmes et la violence de la guerre, c'est quelque chose qu'on a aussi aujourd'hui et que l'Amérique du XXIe siècle est également violente. Donc en ça, il nuance un petit peu. Il pose la question aussi de comment est-ce qu'on représente en fait ces aspects les plus durs de l'humain dans une fiction. En fait, cet argument de on représente un Moyen-Âge réaliste, c'est plutôt vu en fait comme un argument, enfin c'est plutôt construit comme un argument de vente. On vend la série sur regardez, c'est le vrai Moyen-Âge, ce qui est faux, hein, mais c'est authentique, on ne vous ment pas, vous allez avoir de la violence, de la rudesse. Ça, pour le coup, c'est William Blanc qui l'avait bien montré, hein, que c'était un argument de vente. La série, le livre aussi, hein, se vend sur ces aspects-là, mais il faut prendre du recul par rapport à ça et nuancer pas mal, hein, cet aspect d'un prétendu Moyen-Âge réaliste. Sur les arguments de vente, ce qu'on peut préciser, c'est que à l'époque où la saison 1 est sortie, effectivement, il fallait aller en chercher du côté de la fiction historique plus que de la fantasy, parce que c'était la première fois qu'on amenait la fantasy à la télévision avec d'aussi gros budgets, et il fallait un peu alpaguer les gens qui avaient bien aimé Rome, les gens qui avaient bien aimé les Tudors, tu vois. Et c'était plutôt ce public-là qu'on allait essayer de trouver. Peut-être un peu facilement en oubliant qu'il y avait le Seigneur des Anneaux qui était passé par là pour la fantasy, mais comme c'était la première fois que la télévision s'emparait vraiment de ces récits-là, on essayait de justifier ça avec de l'argumentaire historique, quoi. Mais Rome est de toute façon le clair ancêtre de la série Game of Thrones. Là aussi, c'est pareil, dans le livre, on le voit assez bien. Rome est convoqué de manière très, 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 très fréquente au début du livre. Donc, sur toutes les étapes de pré-production, le modèle, c'était Rome. À tel point que c'est pas mentionné dans le livre, mais les producteurs voulaient supprimer la partie fantasy de Game of Thrones. Il y a eu quand même cette histoire, quand ils ont préparé le pilote, ils voulaient ouvrir le pilote sur la mort de Jon Arryn et non pas sur les marcheurs blancs, avec peut-être dans l'idée que cet axe-là n'allait pas être adapté parce que les gens n'en voulaient pas, en fait. C'est con, hein. Les mecs, en fait, ils auraient juste dû prendre Maurice Druon et faire une nouvelle Une adaptation des Rois adaptation, Maudits, hein. Ça aurait mieux marché. Hein. adaptation qui d'ailleurs n'est pas vraiment passée outre-Manche, hein. Outre-Atlantique plutôt. Hein, George Martin n'a par exemple jamais vu hein, l'adaptation télévisée des Rois Maudits. Bah merci Bavard pour ces éclairages sur l'obscurité moyenâgeuse Alors, où on se Moyen-Âgeuse, plaisait. vous oubliez tout de suite ce terme aussi. Voilà. Alors, pour le coup, c'est une traduction française, hein. Il n'y a pas c'est voilà, c'est la traduction française qui fait ça. Mais on n'utilise pas C'est Moyen-Âge, très c'est très péjoratif. péjoratif. Il y a un autre sujet sur lequel je pense que ça peut être intéressant de revenir, qui s'éloigne un peu. Là, on a parlé beaucoup du. Globalement, du scénario et du contenu de la série, mais d'un point de vue plus technique, on l'a vu, enfin tout le monde le sait, Game of Thrones c'est devenu un énorme phénomène, et donc il y avait forcément énormément d'enjeux. Et donc, un des très très gros enjeux pour HBO, c'était éviter à tout prix les fuites, les spoilers, etc., en amont. Donc j'imagine que forcément, ils doivent parler de ça Alors dans. oui, ils en parlent. Ils en parlent à plusieurs reprises où on voit que effectivement, plus les saisons avancent et plus le dispositif anti-spoiler devient important et où les acteurs ont même eux-mêmes commencé à en souffrir. C'est-à-dire que j'en viens. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, les acteurs racontent ce qu'ils devaient vivre dans les hôtels pendant les tournages, notamment en Espagne, avec des hordes de fans qui étaient là pour leur sauter dessus, et où ils n'en pouvaient plus. Et petit à petit, les scripts qu'ils ont reconnus, les scripts qu'ils ont reçus sont devenus de plus en plus secret défense. Ils avaient des applications où le truc s'autodétruisait une fois qu'ils l'avaient lu. Enfin, c'était un truc de malade. Et derrière, les techniciens qui travaillaient sur le tournage devaient signer avec leur sang pour dire que jamais ils ne donneraient la moindre information. C'était manifestement quelque chose qui était lourd, qui n'a pas dû être si facile que ça à vivre pour les gens qui l'ont vécu. Il y a le témoignage assez. Bon, alors, il est sans doute un petit peu dépressif, ce cher Kit Harington, mais son témoignage, en tout cas, de la manière dont il a vécu le tournage de la saison 6, où il devait absolument pas dire aux gens qu'il n'avait pas le droit, qu'il était vivant, tout simplement. Et où il l'appelait. Comment il l'appelait?
Il... C'était très mauvais, c'était petite pédale ou un truc comme ça. C'était un truc mais immonde. Enfin, Parce que c'était LC son pseudo de script, donc Lord Commandant. Et ça doit être un truc genre Little Cunt ou un truc comme ça en anglais. ouais, Little Ouais, c'est Cunt, ça. voilà, c'est ça. Et du coup, tout le monde le surnommait Little Cunt sur le tournage, qui est quand même très très fin. Et ce qui donne à peu près le niveau des blagues de tournage qui ont circulé. Là aussi, tu te dis que heureusement que MeToo est passé par là depuis. Bah, il y a surtout un espèce de dans les blagues de tournage. Alors sur l'appareillage anti-spoiler, moi je trouve qu'à la fin c'est aussi devenu un argument de communication. Ah, regardez comment vous allez jamais avoir de spoiler, parce qu'en fait il n'y a pas de spoiler, tu vois. Et Juste pour rebondir sur cette histoire d'argument de vente, ça a clairement été quelque chose qui a été mis quand on a eu les quelques articles qui sont sortis sur le tournage de la saison 8. Ça a fait partie des éléments qui ont été mis en avant. En même temps que la longue nuit disait voilà, une énorme bataille se prépare, il y a eu aussi cet argument de oh, mais c'est hyper sécurisé, ça s'autodétruit, etc. C'est un peu comme si ils ont totalement roman, enfin, pas totalement, mais ils ont rajouté une dose de roman vraiment pour attirer hein, le spectateur, faire monter la hype en fait. Mais au final, si t'as une bonne histoire, est-ce que c'est bien utile? Et du coup, à propos de spoiler, j'imagine qu'on va pas couper au fait de parler de ce qu'on appelle sur la garde de nuit les spoilers de Schrödinger, c'est-à-dire ce concept selon lequel ce qui se passe dans la série peut être ou ne pas être un spoiler tant que ça n'a pas été confirmé dans les livres. Mais malgré tout, il y a des éléments qui ont été donnés par Martin au showrunner et qui ont été confirmés en tant que tels. Donc on va parler un peu de ça. Si vous nous écoutez et vous ne voulez pas entendre les confirmations de certains de ces spoilers, leur déschrodingerisation, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Et voilà, de nous dire au revoir en nous mettant des cœurs partout. Et sinon, je vais vous laisser nous spoiler la face violemment. Moi, je peux commencer par un anti-spoiler si tu veux. Je peux commencer par te dire que il y aura probablement pas de dragon qui va mourir au-delà du mur. C'est aussi un spoiler du coup, un spoiler de non-spoil. Ça compte comme un spoiler, ok? Alors moi j'en ai un deuxième d'anti-spoiler, c'est que Littlefinger, jamais de la vie, il ne va laisser Sansa dans les mains de Ramsay II. Ça paraît plus logique déjà. Alors, pour aller sur le truc du dragon, c'est tout simplement qu'ils avaient ils le disent clairement que ça sera probablement. Enfin, je vois pas comment ça pourrait arriver dans les livres concrètement, mais c'est qu'ils étaient à la recherche d'un moyen de péter le mur très rapidement et ils se sont dit, attends, si on met un dragon en mode méchant, là notre moyen de péter le mur, quoi. Voilà. Sinon après bon dans les spoilers confirmés pour le coup alors on savait déjà en fait c'est pas forcément le livre ne nous apporte pas forcément des informations qui nous révolutionnent notre vision des événements ça avait déjà été évoqué dans plein d'interviews donc Martin avait donné trois éléments majeurs de son intrigue qui ont été repris dans la série donc le premier c'est le moment Hold the Door, donc l'origine du nom de Hodor, Même si c'est nuancé qui là. c'est un peu nuancé, c'est-à-dire que on sait que ça va pas être Hodor qui tient une porte de manière physique. A priori, ce sera plus dans le sens Hold the Door, dans un sens de combat, l'épée à la main. Néanmoins, a priori, tout ce passage de boucle temporelle avec Bran est confirmé par le livre. C'est bien un élément de Martine qu'ils ont repris quasiment directement. Dans les autres spoilers, tu as la mort de Shireen brûlée par son père, si je ne m'abuse, qui fait partie de Exactement. ces trois moments. La tragédie, Donc l'horrible passage. le passage où elle est sur le bûcher, salement mis en scène dans la saison 5. Et le troisième élément, ce serait du coup qui est sur le trône de fer? Alors le livre est intéressant là-dessus, c'est qu'il dit pas clairement c'est Bran, enfin le livre dit pas clairement que Martin a dit que c'est Bran qui était sur le trône de fer, mais il dit que Martin a dit qui était sur le trône de fer à la fin. Bon, il y a très peu de chances qu'il y ait une énorme divergence, mais la précaution est assez intéressante. On aura peut-être des changements à ce niveau-là.
Peut-être que c'est tout simplement parce que si effectivement, comme dans la série, le trône de fer est détruit, on peut pas dire qui est dessus. Et du coup, il joue avec les mots. Elle serait bien. Mais bon, a priori, Bran a quand même un destin majeur dans l'œuvre. Et ce sera a priori lui le personnage central de ce qui restera de On Westeros. espère que ça sera mieux En tout cas, fait, du c'est coup, dans les livres. ouais. Et après, il y a un dernier spoiler qui, pour le coup, n'est pas confirmé noir sur blanc dans le livre, mais qui est quand même très fortement suggéré. C'est le fait que Daenerys va brûler Port-Réal, en tout cas va avoir des actes tyranniques. En fait, à ce propos, les scénaristes disent au tout début, on savait pas trop où on allait avec Daenerys, mais à partir de la saison 4, comme par hasard, à partir du moment où Martin nous a dévoilé le destin des personnages, on a su que Daenerys se dirigeait vers un parcours de folie. Alors, Donc. ben, c'est là où justement je pense que eux ont introduit la question de la folie, entre guillemets, qui je pense sera pas trop le cas dans le livre. Bon, après là on reste dans les supputations, mais je pense qu'on aura plutôt un parcours de déconstruction du personnage, de déshumanisation, mais où elle fera brûler Port-Réal de façon réfléchie et assumée en fait, où on n'aura pas un coup de folie. Comme c'est amené dans la série, et comme c'est très très mal amené, et ils essayent. On sent qu'ils essayent dans tout le livre de justifier hein, ce retournement de Daenerys en reprenant les différentes actions de Daenerys a posteriori. Il faut savoir que toutes les interviews de ce livre ont été faites après la saison 8, mais on sent qu'ils essayent de rattacher ce changement en disant, ah bah si, regardez, voilà, en saison 1, elle assiste à la mort de son frère sans aucune émotion, ça montre bien qu'il y a un problème. Alors que quelques pages plus loin, on a quand même l'argument de oui, mais si elle devient folle, c'est parce qu'elle a perdu des proches. Donc voilà, sur ce point-là, ça marche pas très très bien et on a vraiment une reconstruction de l'histoire. Ouais, c'est complètement bancal. Ce moment-là, ces justifications du parcours de Daenerys, c'est complètement bancal dans le livre, parce que globalement, ça marche pas dans la série non plus. Enfin, c'est un point qui n'est pas linéaire en fait. Paf, tout d'un coup, ils ont sorti un coup de folie, donc ça ne marchait pas. Et c'est marrant parce que dans le livre, ils disent, oui, mais alors quand on y réfléchit, c'est logique. Alors non, en fait, dans une série. Tu dois pas y réfléchir, ça doit être linéaire, ça doit couler. Déjà, si tu y réfléchis, c'est qu'il y a un problème. Il y a Gwendoline Christie qui dit, page 450, les signes ont toujours été là, mais nous les avons pris pour des erreurs ou des éléments controversés. Fin de citation. Mais à force de vouloir surprendre le spectateur de semaine en semaine avec un appareillage anti-spoiler hyper lourd, les mecs, ils ont fait du contre-emploi. Tu peux prendre un tout petit truc qui a marché aussi à un moment sur la saison 8, c'est Jon Snow qui se casse sans dire au revoir à Ghost, à Fantôme. Et qui dans les faits, ils ont passé 2 semaines en interview à dire oui, on n'avait pas le temps, c'était un problème technique, tatati tatata, machin, tatata. Et derrière, qu'est-ce qui se passe dans le dernier épisode? Tu le revois avec Fantôme, il lui fait sa papouille et ils partent ensemble, tu vois. Et du coup. M'en fous, moi je lui ai jamais pardonné de ne pas avoir dit au revoir à Ghost, ok? Il part à la guerre, il va peut-être mourir, et même pas, il fait une papouille à Ghost! C'est un Qui salaud! a perdu une oreille pour lui. Salopard. Et non mais du coup, tu vois, il y a ce truc-là où les mecs, ils étaient tellement dans la volonté de surprendre que même dans cet épisode-là, ils ont mal géré leur truc parce que la surprise ne peut pas constituer le seul but d'un récit. Ouais, il y a eu un peu parfois des problèmes de priorité, quoi. Parce que malgré tout, ça a été un monument de la décennie, qu'on y trouve des défauts, c'est sûr, mais on peut quand même pas lui enlever ça. Donc, voilà, un peu pour conclure, qu'est-ce qu'en disent tous ces gens qui ont participé à ça, Nympha? Bah, alors moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'en fait, on s'intéresse uniquement aux acteurs, on ne va pas aller interroger les scénaristes, les costumiers, on va pas interroger les techniciens, etc. Mais n'empêche que les acteurs, on se rend compte que c'est quand même des gens très humains et qui ont participé à une aventure humaine ahurissante. Quand on pense à Emilia Clarke ou à Kit Harington, ils étaient tout jeunes quand ils ont commencé. Ils sont rentrés sur une aventure, mais qui leur a apporté des trucs de fou que personne ne vit normalement. Et
En fait, on s'en rend compte vraiment au fil de la lecture que ça les a marqués et ils ont les étoiles plein les yeux et ça a un côté un peu mignon quand même. Et ouais, bah, mine de rien, c'est une sacrée aventure ce tournage. Alors, on prend des interviews de gens qui ont vécu une aventure humaine de fou, moins d'un an après la fin de cette aventure. Bah, du coup, ils sont tous hyper positifs, mais en même temps, qui le serait pas non plus, quoi. Ils ont rencontré des amis pour la vie, ils ont vécu des choses mais dingues, quoi. Ils ont reçu un amour de la part du public incroyable. Alors, bah ouais, ils sont vachement humains et j'ai trouvé ça un peu mignon et ça m'a rappelé aussi, ça m'a un peu réconcilié avec la série parce que moi je la vois quand même un peu d'une façon, bah voilà, bah de fan déçu quoi. Ok, ils ont marché sur mon bébé, mais oui, mais derrière il y a quand même des humains qui ont vécu un truc, qui se sont attachés à leur personnage, qui ont essayé de faire des trucs. Alors ouais, il y a eu des erreurs, mais n'empêche que bah ils ont quand même vécu un truc fou, quoi. D'un point de vue du ressenti émotionnel, et c'est vrai que bah, le livre est très axé dessus, on ressent bien hein, cet attachement, et le fait que ce soit les acteurs hein, qui étaient interrogés, plutôt que par exemple des techniciens, qui auraient été tout aussi intéressants, met vraiment l'accent sur cet aspect attachement émotionnel à la série, et on comprend aussi un petit peu les réactions, bah, notamment de Kit Harington, de rejet quand on critiquait la série. Critique tout à fait légitime, hein, mais on peut entendre qu'elles n'étaient pas hyper entendables par les acteurs. Merci à tous les trois pour ce décryptage du livre. Alors, pour information, pour les gens qui nous écoutent encore après tout ce temps, sachez qu'on a un contact avec Ebird, donc on va probablement pouvoir lui poser quelques questions pour compléter un peu cette analyse et pour peut-être creuser, on n'a pas encore décidé exactement les questions qu'on allait poser, mais creuser un peu certains points. Par exemple, on envisage de demander plus techniquement comment il avait mené ses interviews, ce qui pourrait être, je pense, assez intéressant. De toute façon, on vous tiendra au courant sur le blog de la Garde de Nuit. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison du Son du Mur qui revient. On espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez. Et au revoir à tous, bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bisous. Salut.